Итак, дорогие друзья, продолжение методического курса по обучению правильному французскому произношению, в силу специфики которого требуется повышенное внимание к особенностям артикуляционного положения органов рта для того, чтобы была возможность точно имитировать, копировать, подражать французскому звуковосприятию, звукопроизношению. В данном случае речь идет о переводе на французский язык текста, который имеет отношение к путешествию Нильса с дикими гусями, написанному шведской писательницей Лагерлёв. Внимание на чтение, на звуки и на то, как это происходит, и успехов. Итак, шестая глава. Tout les oies sauvages et l'oie Martin avec elle sont assises autour de Nils et le regardent. Martin raconte l'histoire de Nils. Nils est un petit garçon qui a été méchant avec un gnome et le gnome l'a transformé en gnome. La vieille oie Aka, le chef des oies, dit « Nils, tu es le premier homme qui a été bon pour les oies sauvages. Tu es notre ami, nous t'aiderons. »« Ah, dit Nils, aidez-moi à redevenir un petit garçon, je veux revenir chez maman. »« Bien, dit Aka, mais il faut demander au gnome ce que tu dois faire pour redevenir un petit garçon. » « Viens avec nous, je chercherai le gnome, je lui demanderai ce que tu dois faire. Monte sur Martin et en route !» Voilà 5 jours que Nils vole avec les oies. Il a trouvé son canif dans sa poche. Le canif est tout petit, comme une épingle. Nils avait dans sa poche un morceau de pain. Il a coupé le pain avec son canif et l'a mangé. Mais c'est peu. Alors, quand les oies s'arrêtent près d'un bois, Nils va chercher des baies ou des noisettes. Il mange les baies. Il apporte les noisettes à Martin. Il met les noisettes dans le bec de Martin. Crac ! Martin casse les noisettes et Nils les mange. Aujourd'hui, Nils est allé chercher des noisettes. Il marche sous les grands arbres, il cherche dans l'herbe et dans les buissons. Voici une noisette, encore une. Tout à coup, il entend une voix. Au secours, au secours. C'est dans un buisson qu'on entend la voix. Mais Nils ne voit personne. Deux autres voix crient. Au secours, au secours. On entend ces voix du haut d'un arbre. Tire-les est tombé, tire-les est tombé. Nils lève la tête. Il voit 2 petits écureuils sur un grand arbre. « Pourquoi criez-vous ? » leur demande Nils. « Notre petit frère, Tirlé, est tombé !» répondent les écureuils. « Il est là, dans le buisson. Le renard, Smiré, viendra et le mangera. Au secours ! Au secours !» Nils cherche dans le buisson et voit un tout petit écureuil. « Que faire ? » Un petit garçon peut emporter même un grand écureuil, mais Nils est trop petit. Alors, il dit à l'écureuil. « Monte sur mon dos !» L'écureuil grimpe sur le dos de Nils. Nils s'approche de l'arbre. « Ah, comme l'écureuil est lourd !» Nils veut se reposer sous l'arbre. Mais les petits écureuils se mettent à crier. « Voilà, Smiré !» Nils grimpe sur l'arbre. Tirlé est sur son dos. Enfin, ils arrivent jusqu'au nid. Nils est tout rouge. « Ah, comme Tirlé est lourd !» Maintenant, Nils se repose, mais Smiré est assis sous l'arbre. Elle le regarde, elle rit et dit « Bonjour Nils, maintenant je te mangerai, tu ne peux pas rester toujours sur l'arbre et les oies ne peuvent plus t'aider. Il y a beaucoup d'arbres ici. Les oies ont de trop grandes ailes pour voler dans un bois. » Une heure passe. Smiré est assis sous l'arbre, Nils est assis sur l'arbre. Mais voilà, au loin, un bruit léger. Les branches des arbres craquent. Une petite tête jaune apparaît au milieu des feuilles. C'est la maman écureuil, Cirlé, qui revient à la maison. Elle voit Nils dans son nid. Elle a peur et s'arrête. « Maman ! Maman ! » crient les petits écureuils. « C'est Nils, notre ami Nils. Cirlé était tombé du nid et Nils nous l'a rapporté. « Merci mon petit ami !» dit Cirlé. Voici 2 noisettes que j'ai apportées à mes petits, je te les donne. Mange-les. Merci, Cirlé, mais vois donc, je ne peux pas revenir chez mes amis les oies.
Le renard Smiré, là, sous l'arbre, il veut me manger. Ah, le méchant, il mange tous les petits animaux. Mais nous le tromperons. Monte sur mon dos et tiens-toi bien. Seulement, ne me tiens pas par la queue, elle m'aide à diriger mes sauts. Nils monte sur le dos de Sirlet, l'écureuil saute avec lui sur un arbre voisin, puis de là sur un autre arbre. Smiré lève la tête et voit Nils qui le sauve, qui se sauve, pardon. Il crie. On entend dans le ciel bleu. Ga, 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 ce sont les oies. Elles volent. Elles arrivent très vite. Une oie blanche s'approche de l'arbre où Nils est assis. C'est Martin. Il attrape Nils par sa veste. Elle emporte. Nils est sauvé. Je vous souhaite de très grands succès.